Vrai? Voilà l'ordre. Établi par Allah subhanahu wa ta'ala pour que la vie ait un sens. Pour qu'on n'ait pas de problème, il faut que les bons hommes se retrouvent avec les bonnes femmes. Les bonnes femmes avec les bons hommes. Les mauvaises femmes avec les mauvais hommes. Les mauvais hommes avec les mauvaises femmes. Mais quand on voit un homme dont on a créé la religion et le comportement, c'est pour qu'il se dirige vers qui? C'est pour qu'il se dirige vers qui? Quand on donne une sœur qui a reçu une éducation islamique, qui est venue te dire à quelqu'un qui ne remplit pas les deux conditions citées par le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de créer des désordres dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que notre vie n'a pas de sens. Et c'est pour ça que nous avons tous les problèmes. Parce que chaque fois qu'une chose n'est pas à sa place, ça va donner des désordres. Ça va donner la fitna. Quand l'homme et la femme ne regardent pas dans la même direction, la vie conjugale ne peut pas donner. Donc voilà comment le désordre naît dans le monde. C'est à travers le manque d'attachement aux prescriptions du créateur de l'univers. Lui qui maîtrise ce qu'il a créé mieux que qui que ce soit. Donc, quand on ne respecte pas ces enseignements, on finit par créer des désordres. Et parmi les choses que ces désordres engendrent, c'est ce qui a été indiqué par le prophète Mohammed sallam dans le hadith. Il a dit « Takum fitnatum fil ardi fasadun kabir » et une grande perversion. Nah. Parce que quand les choses ne sont plus à leur place, la femme est faible. Quand une femme à qui on a donné une éducation islamique se retrouve entre les mains d'un homme qui ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala, il se peut que cet homme détruise. Il se peut que cet homme détruise cette femme. Et dans sa religion, il la rend malheureuse. Et il se peut que cela ait de l'influence sur la femme jusqu'à ce qu'elle se retrouve en train de commettre des turpitudes. Combien de sœurs engagées dans l'islam ont abandonné l'islam parce qu'ils sont tombés sur des mauvaises personnes? Combien d'hommes ont été éprouvés dans leur religion parce qu'ils sont tombés sur les mauvaises sœurs? الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة.